Salut à tous, c'est Nano et je nous retrouve pour une vidéo toujours tuto. Cette fois-ci, on s'attaque à une vidéo sur le médic, je crois que c'est la deuxième. Et cette fois-ci, on va présenter le vaccinator. Et aussi en parallèle le syringan. Mais ce sera plus sur le vaccinator cette vidéo. Alors, le vaccinator, c'est un médigun assez spécial puisqu'il dispose en fait de trois types en fait de résistance quand vous healez quelqu'un en fait. Alors, regardez. Là, je vais heal ce bonhomme. Vous voyez qu'au-dessus, il y a un bouclier et un symbole de balle, c'est-à-dire qu'il sera protégé sur les balles. Et en appuyant sur un bouton, je change en fait la protection. Vous voyez? Vous voyez aussi que les Uber, elles montent. Enfin, il y a 4 crans en fait pour une Uber. Vous voyez là, hop, j'en ai deux, donc je peux en claquer une si je veux comme ça. Et hop, en garder une deuxième pour après. Donc là, en fait, ce Medigun. Il est assez dur d'utilisation parce qu'il faut être super concentré sur tous les dégâts que prend votre cible et que vous prenez vous-même déjà. Donc là vous voyez que là il y a des explosions parce qu'il y a un démoman. Donc vous voyez. Je fais quand même une Uber. Bon là pour les dégâts physiques, il y en a pas je crois des trucs pour la. Il n'y a pas de résistance. Je vais vous expliquer plus en détail quand je vais mourir pour comment faire pour changer la résistance. De base, c'est celle des balles. Il y a plein de gens. Putain, hop, putain, c'est toujours assez chaud en fait. Puisqu'il n'y a qu'un bouton, en fait, c'est pas comme une molette pour changer d'arme. C'est que c'est un seul bouton. Donc en gros, si vous voulez les balles, il faut passer par le feu et ensuite les balles. Putain, là, on a eu de la chance que j'ai switch sur les balles parce que je voyais pas ce qu'il y avait devant lui. Vous voyez que c'est assez chaud. J'utilise pas, j'utilise jamais en fait. C'est pas que j'utilise pas. Bon, je vais mettre des balles parce qu'il y avait quand même l'ami là-haut qui nous tirait dessus. Même si en fait lui il a pas compris le but du jeu. Donc en fait on va perdre là. Vous voyez que là, avec la résistance aux balles, le heavy il lui a fait aucun dégât. C'est assez effarant. Donc là lui, il est assez nul. J'ai mis la ré... Oh putain! Non! Reviens ici toi. Reviens ici, t'as tué mon heavy. Enfoiré. Reviens ici. Reviens ici. Bon, je suis nul. Non mais il a tué mon heavy. Il fallait que je le tue. Enfin bref, c'est très bien que je sois mort. En fait, faut que vous alliez dans vos options générales. Et que vous alliez dans... alors c'est où? C'est où? C'est où? C'est ici. Dans combat. Il y a attaque principale, rechargement, et en dessous il y a spécial attaque. Et en fait, c'est ce bouton qui vous permettra. Enfin, c'est ce bind. Donc là, moi j'ai mis mouse 4, c'est un bouton de ma souris. Sur le côté, pour changer d'Uber. Donc voilà. Donc, ouais, j'ai expliqué aussi là les 4 petits carrés qui vous permettent d'avoir en fait 4 Uber à distribuer qui seront forcément beaucoup moins longues. Qu'une Uber normale, puisque vous en avez 4 petites, que vous pouvez claquer les 4 en même temps aussi, hein, c'est pas un problème. Donc là, vous voyez qu'il prend du dégât par balle, mais ça se ressent quasiment pas. Vous voyez aussi que il met moins d'overheal en fait que les. Ah, lui, c'est un spy. Ah non, c'est pas un spy. Donc là, il prend du dégât explosif. Il est mort. Allez, le pyro, il faut attaquer. Faut attaquer. Aussi à noter quand vous êtes quand vous avez claqué une Uber, vous pouvez pas changer de. Putain, il a l'air complètement paumé lui. Je vais aller avec lui. Quand vous avez claqué une Uber, vous pouvez pas changer de résistance en fait. Si c'est vous claquez une Uber résistance aux balles, ce sera forcément une Uber résistance aux balles. Putain, lui il m'avait fait super mal. En fait, ce qu'il faut savoir aussi. Putain, mais tuez-le! C'est que si un putain, bah lui il a eu son succès en plus, magnifique. S'il a eu son si l'allié que vous soignez prend du dégât par balle, alors que vous êtes en train de le soigner en ayant une résistance par balle d'activer, vous allez gagner des points de vie en fonction du dégât qu'il prendra. Ça, c'est à noter aussi. Aussi, je crois que ce Medigun il est plus lent à overheal, mais il est plus rapide à soigner en fait.
Je veux dire, les 125 points de vie de cet ingénieur, de base, je les aurais soignés rapidement, mais l'overheal, je l'aurais mis beaucoup plus lentement. Je sais pas si vous comprenez. Vous voyez que là, l'overheal, il monte très lentement, alors que ce heavy, il a pas pris de dégâts. Là, il en a pris, c'est encore plus lent. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Ok, il y a juste un ingénieur, donc on peut laisser en résistance par balle pour le moment. Ce medigun, il est très bien en fait pour vous familiariser au medic et au. En fait, au. Putain, je vais continuer à le mettre en Uber comme ça, voilà, comme ça. Vous voyez que j'ai perdu pas beaucoup de vie. Hein. Là, je vais mettre en. Explosif. Je disais, ce medigun, il est très bien en fait, parce que ça vous permettra de vous faire un esprit d'analyse beaucoup plus développé que si vous utilisez un medigun normal. Je m'explique, en fait, si vous. Là, vous devrez avec ce medigun vraiment analyser les ennemis qu'il y a aux alentours, calculer un peu le dégât que votre allié que vous soignez prendra. Et ça, franchement, c'est. Putain, Jean! Ok. Le premier coup, je l'ai fait dans le mur là. Donc là, en fait, le. Putain, non. Non! Oh putain, vous voyez que là, je l'ai sauvé, mais vraiment de justesse. Il doit être dégoûté, notre ami le spy. Je continue à le mettre en résistance par balle. Je vais peut-être claquer une petite Uber parce que cet ingénieur il fait tellement de dégâts qu'il me terrorise. Qu'en fait, ce Medigun il est vraiment. Vous êtes vraiment en lien avec la personne que vous vouliez. Il est. Là par contre, je suis mort. Hein. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave. Parce que il faut que vous arriviez à gérer tous les dégâts qu'il prendra, et si vous arrivez à gérer ça, vous gagnerez des points de vie en fonction de ça. Donc franchement, c'est un medigun, ouais, comme je disais, qui est très difficile à utiliser. Hein. Bon, ce heavy, il a l'air de m'aimer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise sur ce medigun aussi? Vous voyez que les Uber, elles montent, l'Uber, elles montent super vite. Hein. Je vais mettre explosif. Voilà. Dégage. Là, ouh, ouais, mais les dégâts physiques, je sais pas. Hein. Bon, j'arrête pas de mettre des critiques. Lui, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu. Non. Merde, voilà. Là, je me suis gouré. Je me suis planté en beauté. J'aurais dû switch sur la résistance aux balles et lui claquer l'Uber, comme ça il aurait eu toute sa résistance en fait, il aurait été invulnérable face à cette sentry. Enfin quasiment invulnérable, il aurait quand même pris des dégâts. Je veux dire, c'est pas une Uber comme l'Uber normal qui là vous êtes vraiment invincible, mais voilà, il aurait quasiment pas pris de dégâts. Bon, il a pris le truc. Ok, c'est pas très loin. Je laisse la résistance aux balles. Lui, je vais te soigner un peu vite fait, mais reviens. Non, bon, tant pis. Là en haut, je crois qu'il y avait un soldier. Pourquoi j'ai perdu tout mon Uber d'un coup là? J'avais plus rien. Bon, ok. Aïe. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Moi j'aime bien le skin de ce medigun qui change un peu, on n'a pas un gros sac à dos comme si on avait un medigun normal comme ça là. Enfin c'est marrant. Alors on change de serveur. Ouais, donc là on était sur un serveur de Doomsday. De Special Delivery, c'est ça le nom du mode. Donc livraison spéciale en français je crois que ça s'appelle. Et voilà, on devait. J'ai même pas montré en fait le mode de jeu vraiment. J'ai essayé de lui montrer plutôt le medigun, hein, parce qu'on s'en fout un peu du mode. Surtout qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise, ce medigun. Et il n'y a pas grand monde qui. Non, je voulais pas dire ça en fait. Je voulais dire il n'y a pas grand monde qui joue sur ce mode. Voilà, c'est ça. Bon, je vais le suivre lui, même. Voilà, je vais essayer de montrer un peu le mode en même temps. Parce que je pense que j'ai jamais fait de vidéo de Doomsday.
Donc vous voyez que ce Medigun il est pas terrible hein, pour l'overheal, c'est vraiment quasiment pour le mono-heal ce Medigun. Faut que vous vraiment vous arriviez à choper en fait la personne qui vous semble la plus aware en fait de votre partie. Il suffit qu'elle joue heavy ou quoi, bon bah là génial, on est deux medics et eux ils sont un scout et tout. Y a un pyro, non reviens, reviens, non reviens. Bon là vous voyez qu'il prend quasiment pas de dégâts face à ce scout. D'ailleurs le scout a fui face à notre terrible puissance. Ok je l'ai loupé. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Parce qu'il y avait Bon là de toute façon il faut retourner par là parce qu'ils ont pris le truc. Merde. Reviens, 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 reviens. Ouais, vous voyez que là, c'est un très bon exemple, cette Ubercharge. Il a pas pris de dégâts, le medic que je soignais. Face à un heavy qui est... il était au cac, hein. Là, je mets l'explosif, hein, au cas où. Là, il faut vite monter. Je crois que c'est un pyro. Hop. Voilà, là, on prend pas de dégâts. Très bien. Aïe, bon bah ça peut pas me sauver. Il y a certains types de dégâts, je ne sais pas en fait si on peut vraiment se protéger contre. Notamment bah, les flèches là, les dégâts, tous les dégâts physiques, donc je veux dire par dégâts physiques, les dégâts par arme de mêlée. Ouais mais je crois qu'il faut pas aller par là à mon avis, il faut aller défendre le truc. Faut pas qu'ils le reprennent en fait. Voilà. Je vais suivre lui. Vous voyez que je soigne très vite, mais ensuite l'overheal est beaucoup plus. Putain, nice le headshot. On reste près du truc. Voilà. Voilà, donc vous voyez souvent, moi, je, comme je connais pas très bien l'arme, je. Oh merde! Voilà, j'utilise le pistolet à seringue. Vous voyez que le pistolet à seringue c'est très. Il faut bien calculer en fait les déplacements de son ennemi. Fais chier, je suis encore mort. Toi, je vais aller te rendre une petite visite. Vous allez voir, je vais le tuer à l'Uberso. Juste parce qu'il m'a tué maintenant. Et j'imagine qu'il aura pas bougé. Il doit être par là. Je vais y aller. Allez. Donc, vous voyez. Les projectiles sont très lents à atteindre leur cible. Hein. Vous voyez là les étincelles, c'est. Et il faut aussi viser un peu plus haut parce que vous voyez là mon viseur, même quasiment à 2 mètres, les seringues ne viennent pas au viseur, quoi. C'est vraiment quand vous êtes au cac que. Voilà, elles sont. Enfin, c'est difficile à. C'est une arme qui est assez difficile à manier. Bon, bah, je pourrais pas aller tuer notre ami. Et puis l'Uberso, je crois que je vous l'ai déjà montré. Hein. Donc c'est l'Uberso, c'est vraiment l'arme qu'il faut utiliser hein, pour le médic, au corps à corps. Il n'y en a aucune qui est meilleure que celle-là. Celle-ci, c'est the best. The best. Bon, je sais pas si mettre de l'overheal aux gens, ça permet de build l'Uber plus vite. Je crois que c'est une Uber quasi comme le quick fix en fait. Qui monte peu importe si l'allié a pris du dégât ou pas. C'est à test. Je sais pas pourquoi Spiro même. Qu'est-ce que tu fais là toi? Je sais pas. Un scout ici. En fait je suis tout seul. Et là il y a un spy. Non, tu me feras pas de trickstab, toi. Alors, toi, tu as l'air de savoir ce qu'il faut faire. Non, il n'y a pas l'air, mais. Putain, waouh! Moi, ça me fait triper les mecs qui avancent et ils s'arrêtent comme ça. Je sais pas où je dois aller. Je sais pas, en plus, quand t'es pyro, tu fonces n'importe où et dès que tu croises un bonhomme. Merde, voilà. Là, ça c'est le gros problème de ce Medigun. C'est quand il y a plusieurs dégâts en même temps qui se présentent devant vous et que vous avez claqué le Looper. Là, vous êtes complètement fucked. Et ça prouve un peu enfin, le petit problème de ce Medigun. Hein. C'est vraiment ça son défaut. C'est quand il y a plusieurs dégâts qui se présentent à vous et que vous n'avez pas trop quoi faire.
Mais franchement, si vous le pratiquez à fond ce medigun, à force, vous allez être terrible avec. Bon, là, il y a tout le monde qui est là. Bon, je vais essayer de faire mon medic foufou. Je vais monter par là. Allez, hop. Toi, je vais te... Hop, voilà. Nickel. Allez, venez le reprendre. Je vous attends avec mes seringues mortelles. Genre lui, là. Vous voyez que là, j'anticipe, hein. Je tire pas sur l'ennemi. Voilà, je sais pas ce qu'il faisait. Je retourne là-haut, toujours aller au top, hein, en médic. C'est toujours plus safe. Au moins, vous avez une bonne vision du truc, même s'il y a personne avec vous. Avec là, le heavy, il m'aurait défoncé si j'étais resté. Avec là, il prend pas mal de... Merde, j'ai un retour window, génial. Après, il y a le Bloodsauger qui est bien en... Ouais, avec là, hop. Moi, je défends, hein. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Allez, hop. Je suis en train de faire un massacre. Aïe. Bon, voilà, j'ai fait un très beau travail de défense sur ce coup-là. Ouais, donc le pistolet à seringue au début, essayez plus la crossbow d'abord. Là, avec la crossbow, vous devez aussi anticiper un peu les mouvements, mais c'est un peu moins difficile en fait, puisque là, c'est vraiment des projectiles que vous tirez et faut vraiment avoir le bon feeling avec cette arme. Donc voilà, moi je pense qu'avoir à peu près tout dit. Oh, toi tu lags. Ah, j'aime pas les adversaires qui lag comme ça là. Ouais, il l'a tué. The enemy is on the lift. Ah non, c'est bon. Oula, oula, oula. Aïe. Bon, je me suis pris un putain de coup de fan. Force nature. Donc voilà. Ce medigun, moi je le conseille pas vraiment quand vous êtes débutant, mais si vous avez quand même écoulé comme pas mal d'heures de medic, testez-le. Ça vous ouvre de nouvelles possibilités en fait, ce medigun. Ok, ce heavy là. Bon bah, je vais essayer de me le faire. Voilà, bon, il y avait moins de la moitié de, ses points de vie, donc c'était assez facile. Toi, je t'ai mis une critique. Tu es mort. Toi, je te dodge. Ah bah non, je te dodge pas. C'est assez dur, hein, de dodge un direct hit à cette distance. Enfin, c'est assez dur de dodge un direct hit tout court en fait. Je crois que je vais enchaîner par la vidéo par une vidéo sur le quick fix. Peut-être juste après là, ou dans 3 jours, ou dans une semaine, ou dans un an. Mais en tout cas, ce sera ma prochaine vidéo. Donc je vais rester avec ce heavy. Pardon. Qui est en train de se prendre des dégâts par balle. Donc ça tombe bien, je vais continuer à le heal comme ça. Vous voyez que là j'ai gardé mes points de vie. Allez, tue le scout qui est là. Voilà, tue le. Non mais tue-le. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ce scout? Il pense qu'il peut faire le poids face à un heavy medic comme ça? Vous voyez que là j'ai tiré alors qu'il n'y avait personne, hein. Mais je pensais que ce sniper allait continuer à venir. Est-ce que notre équipe va enfin gagner? Bon, là ils ont des archers. Salut. Salut, j'ai dit. Youhou! Je sais pas ce qu'il a fait lui. Bon, là je vais mourir, je crois qu'il y a un mec derrière moi. Non, c'est bon. Il y a un pyro qui est là. Qui saigne. Ok, il y avait lui. Il y avait Docteur Alban 66. Ou Deadringer Alban, mais ça m'étonnerait. Ah bon. Et non, je t'ai foutu un vent. Bref. Ouais, je vais aller choper l'Australien. Bon, ok. Je vais pas aller le choper, mais je vais aller le défendre. Comme on est assez rapide en médic. Ah, il est là-bas. Je vais le chase.
Je vais passer par là. Exiguë. Tu t'en vas, tu t'en vas. Non mais tu t'en vas. Allez! Vous voyez que le pyro il m'a fait zéro dégâts. Hein. Donc là j'ai clairement pas l'avantage face à lui hein, si j'utilise mon arme de cac. Voilà, si je passe avec mon pistolet à seringue, tout de suite j'ai plus d'avantage. Hey, oh oh, m'abandonne pas, non! Ok, c'est vraiment super dur ce minigun. En fait, j'ai du mal à l'utiliser parce que je l'utilise jamais, jamais, jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Le quick fix encore, ça va. Mais franchement, celui-là, non, j'arrive pas. Mais au moins, je vous ai dit tout ce que je sais en fait sur ce minigun. Est-ce que voilà, ce que j'imagine être une bonne. Toi, je vais te choper. Voilà, donc les heavy, il faut leur tourner autour comme ça. S'ils savent pas très bien jouer, ben normalement ça passe. Donc, lui, il savait pas très bien jouer. Donc, lui, il a bien dodge. Voilà, il m'a tué. Pourquoi ils ont tous le succès batting de Doctor? Ah oui, c'est parce que j'ai l'Uber, mais. Putain, les mecs, vous avez eu le jeu aujourd'hui ou quoi? Ce médic, je sais pas ce qu'il a fait. Il a vu un ennemi, il a tiré toutes ses seringues, il a repris son médigun et. Ouais, et là je vais faire du dégât de masse. Vous voyez que là tous les petits points, tous les petits chiffres jaunes. Voilà. Toi t'es un spy. Toi t'es mort. Hop. Oh la vache, mais ce mec! Non, mais des fois ça a des avantages de laguer comme ça. Hein. Je fais beaucoup de kills avec mon Ubersaw là. Je suis assez fier de moi. Je suis allé avec ce scout. Il m'a l'air de. Il a un peu de stuff donc je me dis. Bon, ce médic, voilà, il a pas très bien compris en fait qu'il avait. Merde! Mais casse-toi! Viens Pyro, tout vert. Enfin, avec son chapeau vert. Oh, ce médic qui m'épate. Il vient de tuer deux personnes, mais c'était genre. Mais est-ce qu'il est au courant qu'il a un medigun et qu'il peut soigner des gens? Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le tuto? Ça sert à rien de faire ça, hein, mais. Il y a sûrement un pyro qui traîne. Allez, avance, je t'ai mis en résistance pyro là. Allez. Voilà. C'est bon, c'est bon. T'es invulnérable contre lui. D'ailleurs, c'était une petite salope hein, de se planquer dans le coin là-bas. J'aurais avancé un petit peu. Si j'avais avancé un petit peu. Enfin, j'aurais. Hein. Je sais pas si ça se dit. Eh oh, je suis là. Hein. Eh! Ok. Regardez là, là, vous voyez qu'il a été invulnérable face à ce heavy qui semblait très agressif quand même puisqu'il était au corps à corps. Bon, allez, tue-le là, il bouge pas. Bon, ok, tu l'as pas tué. Oh, fais chier. Bref. Enfin, quoi que. Attends, il y a peut-être un stuff que j'aimerais présenter avant le quick fix. C'est un heavy. Ah ouais, le Huo Long Eater. Le Huo Long Eater. Je vais certainement faire une vidéo là-dessus.
Il y a assez marrant à jouer le Long Heater. Ou le radiateur, le truc chauffant de je sais pas quoi. Je sais pas du tout les noms en français. Hein. Vous m'excuserez. Enfin, c'est plutôt à vous de vous excuser auprès de moi d'utiliser la langue française pour les items. Hein. Allez, vas-y, on gagne et je vais m'arrêter là. Je vais mettre les résistances aux balles puisque c'est un peu le truc qui peut nous, le seul truc qui peut nous atteindre. Genre lui là-bas, il nous fait rien. Tuez-le! Putain la vache, mais c'est un tank ce bonhomme! Ok, je suis mort. I am give you, Rainblower, ok. Ouais. Tu t'appelles Team Fortress 2, tu. Hey, il a un Huntsman Strange lui. Go! You can enter in Pyroland. Ah oui, tiens, attendez. Un truc. J'ai jamais fait en fait. Elles sont où mes pyrovisions? Ah, elles sont là. Attention. On va voir des couleurs. Oh la vache. What the hell quoi. Je crois que c'est cette map qui a été sortie en même temps en fait. Donc du coup ça se marie super bien je crois. Eh viens ici. Ah oui, c'est vrai, il y a les voix qui changent. Putain, il vient de mettre un headshot, lui. Yes, on a gagné! Bien joué! The Scrambling Teams. Ok. Bon, c'est pas un problème. De toute façon, ce Medigun, il n'y a pas grand chose à savoir de plus. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas switch en fait, comme avec la molette. Enfin, je veux dire qu'il y ait deux boutons au lieu d'un pour la spéciale attaque en fait. Parce que là, en fait, ça vous oblige à tout le temps faire un tour. Si vous voulez utiliser le feu, il faut forcément que vous passiez par les explosifs à chaque fois et les balles, quoi. C'est assez chiant, surtout quand on l'utilise pas beaucoup ce Medigun, on n'est pas habitué, on connaît même pas l'ordre en fait des résistances, donc du coup, ça nous arrive beaucoup de nous tromper et on claque le beurre un peu comme un con. Et la moindre erreur avec ce truc est totalement fatal of doom. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Et voilà, à la prochaine vidéo, ciao!